pas dans le chevreau. Il est pré-cuit, il n'est pas, voilà. Pas fini de cuire. Ah non, non, bien sûr. Alors, la dernière étape du chevreau, grâce à vous, réussisse à sauter le pas. Merci beaucoup, Evelyne. C'est ça aussi, Midi en France. Hein. Vous parlez des valeurs de ces régions, de ce département de la Vienne où nous sommes, et puis aussi de ces associations qui font beaucoup pour nous, en fait, pour nous tous. La recette. Oh là là, le truc. Oh là là là. Et alors, on va tout à l'heure, Vincent. Hein. Oui, on se retrouve tout à l'heure. J'ai retrouvé une amie d'enfance, là, t'as vu Marilyn? Vous l'avez retrouvée? Elle est venue. C'est elle vrai? Était là, elle était avec moi là. La grande Marilyn, c'était ma fiancée quand j'avais 16-17 ans. Voilà, à La Tillée. D'accord. Tu vois, à côté de. J'y suis venu de 13 ans à. Mais c'était en vacances, à 17 ans. Oui, ouais, je venais chez une amie dont le. Tout le monde est au courant parce que la grand-mère. La grand-mère tenait la librairie de La Tillée. C'est ça, ouais. Donc je suis venu là, si tu veux, février Pâques pendant 5 ans. Enfin, c'est que des petites madeleines pour moi, c'est très tendre et beaucoup de bons souvenirs. Tu vois, il y a une culture importante quoi ici, et dans la région, et à Poitiers principalement. Mais oui, moi, si tu veux, Poitiers, c'est un truc de gamin, quoi. C'est toujours... c'est pas une découverte. C'est un bonheur à faire, d'aller découvrir, d'aller voir les gens. Le contact avec les spectateurs, vous voyez, entre deux émissions, Discute avec eux avant, je discute avec eux entre les émissions, je leur explique comment ça va marcher, comment ça se passe. Et c'est assez détendu, hein, c'est pas de la télé, on n'est pas en plateau, quoi. Donc, le fait d'être dans un biotope, d'être dans un milieu naturel, fait que... Je trouve qu'il y a... grande décontraction, les gens sont entre eux, il n'y a pas la peur de l'outil. Je sais que ce qu'on appelle des clichés nécessaires vont être traités. Après, sur l'ouverture à la modernité, à la factualité, c'est sûr qu'il y a probablement des impasses, mais c'est compliqué aussi de tout traiter. Il y a des choix. Et que là, je suis avec des kidam, quoi. Enfin, des gens de la société civile qui font, qui ont tous un talent, que ce soit les cuisinières ou... je sais pas, on a vu cette neuropédiatre tout à l'heure qui était là à propos de l'école. Bon, voilà, c'est des gens qui ont un talent, qui l'expriment, et c'est de donner justement comme une catalyse le moyen à ces gens de pouvoir s'exprimer. Il y a toujours des gens qui viennent voir Laurent. Et Laurent, c'est pour ça qu'il est hyper populaire et qu'il est à sa place dans cette mission de proximité. C'est que toutes ces personnes-là, elles reçoivent avec le cœur. Quoi. Et c'est pour ça que tout est ouvert sur la ville et que ça se passe plutôt bien. C'est à l'image de Laurent. Quoi. Voilà. Tu donnes. Bah oui, enfin, ouais, mais c'est fait pour, t'as raison, cette émission elle est faite pour être ouverte. Quoi. Ah oui, de toute façon, oui. Revenez les loulous, les petits patines avec la main. Double là.